Des images des illuminations de Noël dans le centre de la cité Tricasse. Elles ont été lancées vendredi dernier à Troyes, dans le centre-ville, avec plusieurs animations originales et nouvelles prévues sur le thème du fabuleux Noël des lutins Lucioles. Un conte projeté en illusion 3D ce week-end. Une parade animera également le centre-ville. Un personnage du conte ira ensuite à la rencontre des nombreux passants en cette période de forte affluence. François Mandelli est adjoint au maire en charge des déplacements urbains à Troyes. Il précise le contour de cette animation à Cyril Tavernet. C'est la première année que les illuminations d'une manière complète sont faites avec des LED, hein, ce qui génère des économies d'énergie sensibles sur les budgets de la ville de Troyes. Et puis il y a bien sûr d'autres animations. En complémentarité et surtout avec les commerçants, hein, on a monté un spectacle qui s'appelle le fabuleux Noël des lutins lucioles, n'est-ce pas ? C'est un conte en trois dimensions qui va être projeté sur des cubes de grand format. Moi, j'invite tous les jeunes enfants et tous les grands enfants à venir à ce spectacle qui va démarrer samedi à 17h, Splash Jean Jaurès, c'est le premier spectacle. Et puis, à la suite de ce spectacle qui va être projeté en 3D, il y aura une déambulation dans la rue avec un bonhomme de neige vivant. Donc, bien sûr, les petits et les grands sont invités à venir à cette première. Ça sera à destination, bien sûr, des petits et des grands.